Absolument, qui est toujours inacceptable, surtout que c'est là que nous venons plein douleur. Ces médias, c'est instrument ça à utiliser pour nous réaliser le certain mal. Donc, c'est un instrument qui est très très cher. Un film qui mourit d'ailleurs pour indépendance, autonomie. Et instrument ça qui servit toute population aujourd'hui. Donc, tout acte de violence envers l'institution, ça est totalement inacceptable. Et surtout, il n'est pas utile et il n'est pas avancé nous dans le cadre de recherche de solutions pour notre société. Ça c'est vous, l'autre palais plus long, mais je dis à Caraïbes en difficulté, Caraïbes on y là, on peut pas mille pour nous. Et c'est non, ça, non, ça, 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 important, pile, nous voulons connaître qui est-ce qui vient gouverner, est-ce que mon capitaine encore, puisque le président l'a empêché momentanément, il y a un problème de santé, il y a mis. Est-ce qu'il y a une en tête de l'État maintenant? La Constitution est très claire sur la responsabilité que nous gagnons et sur l'engagement que nous prenons et promesses de notre population. Nous avons toujours été fidèles à l'engagement de ça. Donc je dis, si le moment est demandé pour nous prendre responsabilité, nous avons toujours pris. Messieurs, merci beaucoup et merci. Bon travail. Nous avons appris que nous tendons que nous avons un petit problème, évidemment. On est venu exprimer notre solidarité à Radio Caraïbes, qui a fait un travail extraordinaire et nous venons assurer nous tout. Que tout le monde est calme, nous venons réitérer un message. On appelle quand même au calme et à la sérénité en attendant que nous joignons ce problème pour nous résoudre. Ok, messieurs, merci.